董老师好，萨老师好。我们都知道您有一位非常重要的跨国之音，那就是著名的诺贝尔文学奖获得者勒克莱切奥先生。我听说过这样一个故事，就是当初呢，您刚到法国留学，您就用法语撰写了一部讲述中国故事的小说，寄到出版社之后，很快您就收到了勒克莱切奥先生的回信，说他在您的文字当中看到了他喜欢的中国，所以您二位也是因此成为了彼此重要的知音。同时我也会很好奇，当您与这些外国友人交流到中国这段源远流长的文化历史的时候，又有哪些会是令他们觉得眼前一亮、非常感兴趣的呢？勒克莱切奥是大名鼎鼎，他是被法国公认的啊，就法语世界公认的最伟大的作家。他给我写了封信啊，就是因为看完我的这个手稿以后，约我在哪个的咖啡馆见面。我记得特清楚，我回来的时候正好问到房东，然后房东说就啊、哎、你怎么样啊？我说挺好，我说我跟这个勒克莱切奥先生刚喝了个咖啡，他就不相信。他说勒克莱齐奥，他说我们这只能在电视上看到，那不可能啊，你一个中国人怎么讲？我说是，他就是勒克莱齐奥。您跟勒老从那一次认识到现在多久了？应该有快30年了。30年的老友，今天法国人平时都见不到的勒老，大家想见见吗？想。我们还真有这个荣幸，来，掌声欢迎勒克莱齐奥先生。勒老您好。老师你好，我们刚刚听了董老师说他跟您相遇的那段故事，我们都觉得像传奇一样。J'ai beaucoup aimé lire ce premier petit roman qu'il avait présenté, et malheureusement mon influence auprès de l'éditeur n'était pas très grande, et le roman n'a pas été retenu, et je crois que c'était une grande erreur de la part de l'éditeur. Et donc j'ai gardé un très bon souvenir, et après.Pour moi, c'est une amitié qui s'est construite chaque fois que je l'ai revu, M. Tong Tian. 您曾经说过，有一首唐诗给予了您最震撼的关于中国唐诗的这种魅力的感受。所以我想知道，您从当时从那首唐诗里感觉到的这一份震撼是什么 ？Oui, c'est un poème de Li Bai, et le poème dit ceci: Les oiseaux s'envolent vers le haut.Un nuage s'éloigne dans la plus grande nonchalance. Nous sommes assis, le Mont Jinting et moi, face à face, et nous ne nous lassons jamais l'un de l'autre. C'est un très beau poème que je viens de vous citer dans la traduction qu'a donnée M. Tong Tian. Il a eu une sorte d'illumination qui lui a permis de penser comme une montagne, c'est-à-dire de respecter la nature.Et d'avoir avec la nature un échange harmonieux. En fait, il y a pour moi le modèle de la littérature classique chinoise, c'est Li Bai. Et s'il m'était donné la possibilité de rencontrer quelqu'un du passé de la Chine, je crois que je choisirais de rencontrer Li Bai. Parce que Li Bai était un homme généreux.Est un homme intelligent, généreux et plein d'humour aussi. Prenait son épée et il dansait avec son épée en public. Et le public qui regardait la danse de Li Bai était fasciné de voir la souplesse de cet homme. Et c'était aussi un homme qui aimait boire le vin et qui aimait l'amitié. Il a écrit un poème magnifique sur la rivière Yangtze.Il regarde couler l'eau du fleuve et il demande à ses compagnons qui sont là, est-ce que leur amitié sera aussi longue que le mouvement du fleuve qui emmène l'eau vers la mer. Et donc c'était un homme plein d'émotions, plein d'amitié, qui aimait la vie et qui avait un grand talent pour la poésie.他就是跟我合写了一个《唐诗之路》里面，对，他最用心的就是李白，基本上一半篇幅全部献给了李白啊。其实这是作家嘛，从某种上跟李白有点认同，对，他有点把自己投射进去那种感觉，隔着时空，对，能够相互呼应的这种知音，对。听说您这个2019年的时候提到过，说正在准备一本跟中国文化相关的书。不知道这本书目前您的这个进度如何 ？Oui, donc j'ai commencé d'écrire ce livre que je n'ai pas terminé,
parce que pour moi, ce qui est important dans la connaissance de la Chine, c'était de suivre les mouvements, les voyages que faisaient les écrivains, en particulier à l'époque de la dynastie Tang, Li Bai et Tu Fu. Ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé à travers la Chine, et j'avais envie de parcourir le même chemin. Et je compte aussi remonter le fleuve jaune, et je compte ici aller voir les grands lieux de pèlerinage, les grandes montagnes, et découvrir cette Chine de la littérature, des écrivains, des peintres et des voyageurs. On vous souhaite de venir à la Chine, de ressentir la Chine et la culture. 太多中国的美丽的风景在这些诗人的笔下留下了永恒的描述，所以有机会，我们这些年轻人愿意带您看看今天中国最美的河山。 Bien, je vous remercie. J'attends avec impatience de pouvoir le faire. 谢谢乐老。中国人有一句话叫"不见不散"。